J'espère que vous allez vraiment super bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je me suis dit ça fait un petit moment que j'ai pas fait mon haul vintage. Donc aujourd'hui je vais vous montrer mes pépites que j'ai accumulées pendant ce dernier temps. J'espère que ça va vous plaire. Donc je vais commencer par mon petit ensemble vert émeraude que j'adore. Donc cet ensemble est composé de mon pantalon vintage que j'ai trouvé dans une friperie Fripstar à Paris. Donc ce pantalon est en laine. Donc il tient vraiment super chaud, il est en taille haute. Je le mixe avec mon pull en col roulé, également en vert émeraude. Passons à par exemple à ce pull que je porte actuellement avec mon collier vintage également. J'adore la combinaison de mon pull hyper simple mais qui fait assez classe à mon avis. Donc c'est un pull en mohair, super léger, très doux, donc vraiment super agréable à porter. Et donc juste une petite anecdote sur ce pull, je l'ai trouvé sur Vinted et donc ma maman, elle avait vraiment la même façon, le même pull qu'elle a trouvé dans une friperie, bon je confonds maintenant, Fripstar et juste friperie, donc dans une friperie en Sibérie. Donc c'était vraiment exactement le pull comme ça que d'ailleurs je l'ai emprunté de ma mère. Donc maintenant ce pull mais en couleur orange, il se trouve dans mon placard. Les manches bouffantes que je trouve vraiment super pour mettre en valeur vos poignets. Je trouve que ça fait vraiment super élégant. Donc la couleur blanche comme ça, je trouve que elle est assez universelle. Ensuite, je voulais vous montrer ma veste que j'ai adorée. Donc je l'ai trouvée dans une friperie à Paris également. Le tissu, c'est un peu une espèce de tweed. Bon, c'est vraiment une imitation de Chanel parce que cette veste, elle est tellement sublime, sa façon, elle est super élégante et aussi la combinaison de couleurs blanche, noire, ça va vraiment, ça va passer avec la plupart de mon garde-robe. Donc je mixe cette veste soit avec les pantalons taille haute, soit bon, j'ai pas essayé de mixer cette veste avec des jupes, je sais pas si ça va marcher ou pas. Je trouve que avoir ce genre de veste dans son garde-robe, c'est vraiment une chose indispensable si vous aimez le style plutôt classique. Je passe à mon obsession, vraiment. Je commence par mon pull de la couleur bordeaux, mais je trouve que et il est vraiment super, il est assez stylé. Donc ça fait un peu le pull crop top, mais par contre il est tellement chaud. Également je peux le porter soit avec des pantalons taille haute, surtout j'adore quand on se mixe avec des pantalons en couleur bleu, plutôt bleu marine. Donc voilà, cette combinaison de bordeaux et de bleu marine, je trouve que c'est vraiment super stylé. Le deuxième pull en col roulé, par contre c'est un pull assez classique mais qui fait son effet parce que quand j'ai publié une photo avec ce pull sur mon Instagram,
j'ai reçu mais vraiment plein de questions d'où vient ce pull. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que là, je montre mes looks, mes trouvailles vintage et donc je serais vraiment super ravie de vous retrouver là-bas. Et j'adore le mixer avec également des pantalons, avec des jupes et par contre en hiver, pas besoin de mettre en foulard ou même en écharpe, donc ça tient super chaud parce que je suis une personne frêleuse, donc malgré que je viens de Sibérie, j'ai froid presque tout le temps. Je trouve que bon, la température à Paris où il fait assez humide, c'est un peu particulier. Passons maintenant à mon cardigan en mohair que je trouvais dans une friperie à Paris. Exactement à Fripstar, rue de Rivoli. Donc c'est un cardigan d'une marque italienne. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, mais j'ai remarqué que dans des boutiques Fripstar, il y a plein de vêtements qui viennent d'Italie. Je sais pas pourquoi, peut-être il y a une raison particulière, mais il y a vraiment plein de vêtements de vintage italien, de la qualité, mais vraiment que j'admire à chaque fois. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est juste c'est une coïncidence. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires. C'est un cardigan, mais vraiment intemporel parce que déjà, il est en état, mais vraiment irréprochable. C'est trop bien d'avoir cette possibilité de trouver des vêtements de la même qualité, mais au prix vraiment même ridicule parce que je l'ai acheté mais pour 10 euros ou pour 15 euros, mais c'est rien. Juste pour avoir... la quantité suffisante pour faire un pull en mohair comme ça, je pense qu'il faut dépenser au moins 40-30 euros. Je vous encourage vraiment de chercher des vêtements dans une friperie ou peut-être sur Vinted, ça vaut vraiment le coup. Donc ensuite je passe à mon ensemble d'ailleurs qui vient de chez Zara, que je vous ai montré dans mon vlog précédent. Donc je vous ai expliqué que parfois ça m'arrive d'acheter des vêtements sur Zara. J'essaie vraiment de minimiser au maximum donc mes achats sur Zara, je veux dire Zara normal, pas sur Vinted. Mais pour moi c'était vraiment un coup de cœur que j'ai vu ce pull en couleur marron, donc de la façon que j'adore vraiment. C'est pas en oversize parce que effectivement je l'ai pris en M, donc normalement je porte du XS, mais j'adore alterner de tailles différentes parce que je trouve que c'est super pour alterner, pour mettre en valeur soit votre figure, soit pour varier un peu votre garde-robe, votre style. Donc avec ce pull je mixe le pantalon en taille haute avec l'imprimé que j'adore. Il y a du orange, il y a du marron, il y a du noir, donc ça fait assez classe avec par exemple des bottes assez hautes et ça tient aussi, ça tient chaud. Je reste dans la même gamme marron parce que je vous montre mon cardigan qui est trouvé sur Vinted, qui est en couleur que j'ai adoré, franchement. En fait, sur ma chaîne russe, je plaignais tout le temps que je ne peux pas mettre des vêtements en couleur beige parce que pour moi, c'est hyper difficile de trouver une bonne nuance de cette couleur parce que j'ai une peau qui est assez pâle. Donc, j'ai trouvé ce cardigan que je pense que je vais faire attention pour avoir plus de vêtements dans cette gamme parce que c'est pas un beige chaud, je trouve que ça fait plutôt de la couleur beige café. Sur Vinted effectivement j'achète super souvent des vêtements même en taille XL. Ce cardigan il est également en taille XL et ça fait son effet cosy parce que je les mets soit avec des tops, soit avec des pantalons un peu décontractés. J'adore ce genre de cardigan parce que je me sens tellement
bien à l'aise dedans. Bon les amis, je viens de recevoir ces colis de la part de Vivi Silk. Je collabore avec eux principalement sur ma chaîne russe. Donc même je me suis dit peut-être ça pourrait être intéressant pour vous de regarder ce que j'ai reçu parce que en fait ils font des choses, des vêtements magnifiques que j'adore en soie, en cachemire. Par exemple, donc ici j'ai une taille de rayée en soie pure. En blanc, j'adore ça. J'ai déjà plusieurs tailles oreillers de chez Lily Silk. Et ça, en fait, c'est un format de voyage. Je trouve que c'est vraiment c'est super mignon. Donc, ensuite, dans ces jolies boîtes, j'ai... Alors, ça, c'est un pull en col roulé, en cachemire, aussi également en blanc. Je trouve que ça fait vraiment, ça fait chic. Ici, j'ai également un vêtement en cachemire, mais cette fois-ci, c'est un cachemire en noir. Et donc ça, c'est mon pantalon à taille haute, assez large. Et pour changer un peu, j'avais choisi cette jolie chemisier en soie 100%. En couleur bleu royal avec des rayures. Merci beaucoup Lily Silk. D'ailleurs, je peux vous recommander, donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée pour ma chaîne française, mais je peux vous recommander cette marque parce que personnellement, je les adore et je porte vraiment avec grand plaisir tous les vêtements que je commande chez Lily Silk. Donc, je vais essayer tout ça. Et aussi, je voulais vous partager une super bonne nouvelle pour moi parce que je viens de signer mon contrat avec Shiseido. Pour moi, c'est vraiment c'est un honneur de travailler avec une telle marque que j'adore. Et donc, récemment, j'ai participé dans un shooting qui s'est passé dans une piscine. Et c'était vraiment une expérience inoubliable parce que travailler dans une équipe comme ça pour voir comment ça se passe le déroulement d'un projet parce que voilà, je vais après je vais vous montrer sur Instagram un produit donc pour lequel c'était ce shooting. Donc et c'était hyper difficile d'un point technique de participer dans un shooting comme ça juste sous l'eau et donc je voulais vous partager ces moments parce que déjà c'était super beau. J'avais une robe mais vraiment magnifique et j'avais une coiffure que c'était vraiment c'était un chef-d'œuvre sur ma tête. Donc je vous laisse avec ce moment et j'espère que ça va vous plaire.
Je vais vous attendre vraiment sur mon Instagram où je vous montre ma vie quotidienne, comment ça se passe, ma vie à Paris. Je vous montre mes trouvailles vintage, bien sûr. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne parce que à chaque fois, ça me fait vraiment un immense plaisir. Vous m'encouragez énormément parce que ça me donne vraiment un boost de continuer mes vidéos. Parce que j'essaie de faire maintenant une vidéo par semaine. Ça fait déjà presque 4 semaines que je tiens ma parole. Donc effectivement, c'est pas vraiment très facile de faire 2 vidéos en parallèle parce que je travaille aussi pour ma chaîne russe. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que vous me faites beaucoup de plaisir si vous vous abonnez à ma chaîne. Je vous embrasse bien, bien fort. On se retrouve bientôt.